La mort d'un enfant est l'une des pires épreuves que puisse vivre un parent. Bien souvent, la tristesse s'accompagne d'un sentiment de vide, car l'enfant n'est plus là. Il se trouve dans un ailleurs mystérieux et inaccessible. Le 19 décembre 2009, Thaly Dian, 12 ans, fait un accident cérébrovasculaire à la maison. Elle décède dans les bras de son père. Son corps est maintenu en vie artificiellement à l'hôpital. Les neurochirurgiens sont venus nous voir en nous annonçant que c'était finalement un AVC causé par une défectuosité des vaisseaux sanguins dans la tête. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ça a été un moment très intense parce que je savais que c'était très grave et c'est un des infirmiers qui m'a reçue et qui m'a dit « Vous êtes la sœur de I. » J'ai dit « Oui ». Il dit « Vous savez, il dit... C'est très grave, hein? » J'ai dit « Oui, je savais qu'elle était décédée. » Recevoir la nouvelle que notre enfant est décédé, c'est genre... t'as le goût de te jeter à terre, puis pas vouloir te relever. C'est vraiment... tu voudrais mourir à sa place. Pourquoi t'es parti vite? Ça a été tellement un moment intense parce que je sentais sa souffrance à lui. Parce que pour ma nièce, elle n'avait plus de souffrance, elle. Mais elle était tellement belle avec ses grands cheveux longs. Daniel Dion ressent alors la présence du corps éthéré de Thaly dans la pièce. Thaly, en décembre 2009, elle allait très bien, enjouée. Elle commençait son école secondaire. Elle était en amour avec son école secondaire. Elle avait toutes ses amies de filles qui étaient avec elle. On n'avait aucun problème avec elle. La vie était belle. Le 17 décembre, Thaly est revenue de l'école et... tout allait bien, elle a fait ses devoirs, elle avait hâte au lendemain. Elle s'est couchée. Dans la nuit, elle avait mal à la tête. Le 18, j'ai décidé de la garder à la maison parce qu'elle avait trop mal à la tête. Juste des compresses d'eau froide, ça la soulageait. On s'en va à l'hôpital, on va aller consulter comme il faut pour être certain qu'il n'y a pas d'autre chose qui se cache. Allez, ça va? Rendu à l'hôpital, ils l'ont tout de suite pris, puis ils ont mis un soluté, puis ils ont pris 6 prises de sang. À ce moment-là, la médecin l'a même dit que ça ressemble drôlement à une grande migraine. Thaly était recommencé correct. Tout allait bien. On est parti main dans la main. Et c'était terminé. Elle est arrivée à la maison, voulait tout de suite se coucher, brossage de dents. Elle était couchée. Bonne nuit. Demain, si ça file pas, ben, tu resteras à la maison. Bonne nuit. Bonne nuit.
Et c'est vers 2 h du matin que j'entends un bruit de sa chambre. Tali? J'ai couru dans sa chambre. Tali! Tali! J'entends ses poumons, c'est plein comme d'eau ou de sang, je sais pas exactement. Son pouls me lâche. Bingo est en arrêt cardio-respiratoire. Oui, arrêt cardio-respiratoire. La situation est grave. Yves contacte le 911 et demande qu'on envoie une ambulance de toute urgence. Malgré l'horreur de la situation, Yves Dion garde la tête froide. Il sait quoi faire, car il exerce le métier de pompier. Il entreprend aussitôt des manœuvres de réanimation, comme il l'a déjà fait très souvent. La différence est que cette fois-ci, il doit sauver sa propre fille. Tali! Tali! Les manœuvres, faites bien ça. Tu vas avoir une analyse. Au moment que les paramédics ont vraiment pris charge de Tali et que je me mette une paire de pantalons, un chandail d'urgence, je sentais déjà là, qu'il y avait quelque chose de très grave. C'était comme, là, c'est du sérieux. Je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas que c'était pas dans le commun. C'était pas dans mes références. Tout ce que j'avais comme référence, c'était que au Palakin, je donnais mon air. C'était pas normal, ça, dans les poumons. C'était pas normal. Alors, je savais que les chances étaient très, très minces. Lorsque Tali et les autres paramédics ont rentré dans l'ambulance, moi, je sais exactement ce qui se passe en arrière. Alors, ce qu'ils peuvent dire à l'arrière, je voyais bien que ma fille, elle se réanimait pas du tout. Fait que la seule chance qui restait, c'était à l'hôpital. Là, il n'y a plus rien qui se passe à part de juste entendre les paramédics qui faisaient la réanimation cardiaque. Là, ça voulait dire que le cœur, lui, il n'y avait plus d'électricité à l'intérieur. Fait que là, je savais que les poumons étaient engorgés d'un liquide. Je savais que le cœur, il n'y avait plus d'électricité. Là, à ce moment-là, ma seule pensée, c'est qu'à l'hôpital, il va arriver quelque chose qu'eux pourraient faire quelque chose de plus. Tali, elle avait dit à sa mère, c'était bien important que si jamais elle meurt, qu'elle voulait que tous ses organes soient donnés. Et elle trouvait ça très injuste qu'elle ne pouvait pas signer pour les dons d'organes. Il fallait que ce soit les parents qui signent. Je suis convaincue que Tali a eu un signe par rapport à cette carte-là. On aurait dit que tout s'est enchaîné. Quand on pense à ça, là, elle a de la peine de ne pas signer elle-même. Fait que dans le fond, là, c'est un peu comme si sa peine, elle savait. Quand il faut signer pour les yeux, il faut signer pour le cœur, les poumons, le foie, les reins, c'est assez... ça vient nous chercher. Mais en quelque part, on savait que on faisait au moins un cadeau à notre fille de... qu'on... C'était comme ses dernières exigences. Danielle Dion est troublée par un autre événement qui, croit-elle, est lié au décès de Tali. Sans trop comprendre pourquoi, la sœur de Yves s'est mise à peindre une toile symbolique qui représente la mort ou le passage vers une autre dimension. J'ai dit, Yves, la toile que j'ai faite dimanche, il y a 2 semaines et demie, c'est à toi. C'était quelqu'un qui montait dans des escaliers, qui sort de la mer et qui s'en va vers le ciel. C'est tellement Tali. Et on avait trouvé ça tellement beau. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, ma tête est pas paranormale et pas à l'existence de Dieu. Dieu est très loin parce que là, ma fille est morte. Alors, c'est comme... c'est juste le désarroi, c'est juste... La crise. Finalement, c'est la crise. J'étais pas là pour rien. J'étais pas là juste pour mon frère. J'étais là aussi pour aider Tali à partir dans la lumière et dire aux autres, faut la laisser partir dans la lumière. Et je la sentais, elle était là. Elle attendait que quelque chose se passe.
Parce que j'ai su par après que Tali, elle m'a remercié par après. Elle est venue me le dire. Quand j'ai senti le départ, que Tali vraiment, qu'elle s'en allait dans la lumière, le ressenti était très fort. Et j'ai même dit à Yves, est-ce que peux-tu le sentir comme je le sens? La vie après la mort, le monde parallèle, ces choses-là, c'était quelque chose qui, ça me faisait ni chaud ni froid. Son corps physique est parti après. Mais pour le corps astral, et plus, c'est la lumière qu'elle a à l'intérieur. Guylaine Rock, infirmière, a elle aussi été témoin de phénomènes similaires. Je travaillais de nuit, j'étais fatiguée et j'étais dans un service privé avec un patient qui était maintenu en vie artificiellement avec un respirateur. Puis à un moment donné, j'ai vu une forme lumineuse qui avait la forme du corps du patient. Ensuite, ça s'est comme élevé. J'étais allée voir le patient puis pour me rendre compte que le patient était décédé. Il m'était jamais vraiment arrivé quelque chose en lien avec le paranormal, quelque chose qui a rapport au paranormal. C'était correct pour moi qu'il y ait des gens qui y croient, comme ma sœur Danielle y croyait. C'est le moment de dire au revoir. Yves Dion ne comprend pas tout à fait le sens des propos de sa sœur Danielle au sujet du passage de Tali vers la lumière. Malgré sa grande tristesse, il reste à l'affût d'un signe que pourrait lui faire sa fille décédée. Yves Dion est sous le choc. Sa fille de 12 ans, Tali, est décédée subitement d'un accident cérébrovasculaire. Le père a du mal à accepter la mort de sa fille. Il fera tout en son pouvoir pour obtenir un signe d'elle. La douleur était tellement intense et il essayait de retrouver Tali. Il voulait tellement qu'elle arrive dans ses rêves. Il voulait tellement la sentir près de lui. Il voulait savoir où elle était. Alors, ça a été un moment très, très difficile pour lui. Je le sentais tellement complètement vidé. Et plus les jours avançaient, plus les semaines avançaient, il était complètement vidé. Et j'ai pas pu... J'essayais là, le plus possible d'avoir un contact avec lui. J'étais à peu près la seule personne qui lui parlait de sa fille. Parce que lui, il la cherchait. Il voulait lui toucher. Il voulait la voir. Il disait, là, ça peut faire au moins un signe qu'elle est bien de l'autre côté. Et pour lui, c'était tellement important. Puis je comprends que c'est important. Tu viens de perdre ton enfant. Je veux dire, c'est comme si... Puis en plus, que, hein, il voulait tellement la sauver. Yves Dion entreprend quelques démarches auprès de médiums reconnus afin de communiquer avec l'esprit de sa fille, Tali. Il y a des gens qui vont juste venir, ils ont besoin de savoir si la personne qu'ils ont aimée, la personne qui est partie, est-ce qu'ils vont bien? Si les gens sont décédés sans qu'ils aient pu terminer quelque chose, alors ils vont venir pour cette raison-là. Il y avait comme un déclenchement pour moi. Hop là, est-ce que je peux parler à ma fille, savoir si... Est-ce que son âme peut encore vivre? Parce que moi, je sais bien trop que là, elle est décédée. Il pensait, il dit peut-être que ma fille, elle va être là. Mais ça arrivait pas encore, ça arrivait pas. Moi, ma crainte, c'était, voyons, ma fille, es-tu pris dans un cercueil? Es-tu pris? Y a-tu un âme? C'est-tu vrai, ça? Là, tout... là ça... j'ai eu un petit questionnement. Là, ça l'a tourné dans ma tête. Un soir, en regardant la télévision, je tourne les postes. J'arrive à Canal D, et là, il y a une émission qui est déjà débutée. Il y a une dame
parlant à la télé qu'elle était guérie du décès de son fils, qui avait été malade durant des années de temps. Elle avait les mêmes sentiments, la même douleur vive que j'avais. Et là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, OK, je la comprends, cette madame-là. J'ai vécu moi-même d'abord une grande épreuve dans ma vie. J'ai perdu un enfant en 2003. Et à cette époque-là, j'ai reçu un message de mon fils un mois et demi après son décès qui m'a vraiment secouée. C'est pas quelque chose que j'avais été chercher. C'est venu à moi. Et ça l'a emmené vraiment un éveil à l'intérieur de moi. La porte était fermée à double tour par ma profonde tristesse. Quand j'ai vu Mme Lafortune à Canal D, je peux vous dire que j'y ai cru, ou en tout cas, je voulais bien y croire. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commander son livre. Les événements arrivent au fur et à mesure qu'elles doivent se présenter. Mais je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous, et c'est là qu'on le voit, des forces qu'on ne connaissait pas. Et que si on n'avait pas eu à vivre ces étapes-là, on ne les aurait jamais vécues. Lors de la lecture de son livre, je peux vous dire que j'ai pleuré énormément. Ce qu'il y avait d'inscrit dedans, toute sa peine qu'elle avait eue, c'était vraiment très, très similaire à ce que je vivais. Et ce livre-là a été une révélation pour moi. J'ai reçu un courriel d'une personne, un papa, qui était endeuillé de sa fille, qui voulait prendre un rendez-vous en écriture inspirée. Il avait déjà lu mes deux livres et ça lui avait apporté beaucoup de réconfort au cœur. Lorsque je suis arrivé au rendez-vous de Mme Lafortune, je m'attendais à avoir une communication aussi bien structurée, avec des détails très précis. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de d'inquiétude à l'intérieur, de l'attente, une ouverture, mais avec beaucoup de résistance. C'est sûr que le parent veut en savoir plus. C'est son enfant. Donc, il va être conscient du besoin de son enfant dans la vie de tous les jours. En principe, le parent est là pour s'occuper de l'enfant. C'est la même chose comme quand l'enfant décède. Mais il y avait une attente précise. Il avait demandé la veille, comme moi j'avais fait à l'époque, un signe précis de sa fille. Et il restait accroché vraiment à ça. C'était la seule chose qu'il voulait entendre. Okay. Je te mets un coup de petit rose, le chakra du cœur, que tu remets dans ta main droite. OK? Tu vas la tenir très bien. La dernière, je vais t'en mettre une sur... au troisième œil, le chakra du troisième. Là, je pensais à Telly, puis je voulais donc que Telly soit là. C'était mes seules pensées. Je voulais vraiment qu'elle puisse écrire. Je savais, je l'entendais. J'entendais qu'elle écrivait, fait que je me suis dit, waouh, ça va bien, elle est là. Et j'attends le résultat. Moi, c'était le résultat qui était important pour moi. Après les 45 minutes d'écriture, elle tend son rideau, les chandelles branlottent à côté, et là, elle se met à lire chaque phrase qu'elle a écrite. Elle le savait que j'étais pompier, puis il y avait beaucoup dans son texte des choses qui parlaient de flammes, qui venaient de Telly, et ça, ça m'a un petit peu décroché, ça. Et je me suis dit, oh, pareil. Et c'était tellement beau ce qu'elle m'avait écrit. Mais là, j'avais un doute. Là, les doutes ont commencé, là. C'était pas comme dans son livre. Ma fille me parlait pas directement. C'était comme tout le temps indirectement. Et là, j'étais comme... Il y avait une déception en dedans de moi. Mais la dame était très gentille. J'ai le doute dans les mains. Mes 15 pages sont là. Je sais pas trop quoi penser. C'est trop en même temps. Juste avant de partir, je dis à Yves, je sens que Telly m'invite à lui présenter
présenté un jeu de cartes avec des images. Et là, il y a à peu près une soixantaine de cartes, puis elle me fait une belle spirale, puis elle me dit, Yves a dit, pige une carte. Et là, je pige une carte au hasard, je la vire, et là, c'est un arc-en-ciel qu'il y a dessus. La carte lui parle justement de ne pas laisser l'ego, le mental, fermer sa porte et de réouvrir à plus grand. Qui peut avoir énormément de magie dans sa vie s'il rouvre son cœur. Quand Yves est reparti, je ressentais énormément sa déception parce qu'il n'avait pas eu son fameux signe qu'il avait demandé. Elle m'avait dit en sortant, elle dit, tu sais, elle dit des fois, elle dit, tu lis, tu relis mes lettres, et là, tu vas comprendre plus tard. Elle dit, laisse le temps aller. C'est comme ça que ça fonctionne. J'avais une déception, moi, profonde, parce que je me suis dit, il peut pas rester comme ça. Je la sens si profondément, sa douleur. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, je suis parti avec mes doutes. Je suis arrivé chez moi. Je me suis mis à relire les feuilles. Croyait bien pouvoir communiquer directement avec sa fille. Il a besoin de savoir qu'elle est bien, qu'elle existe toujours dans un autre univers. Malgré sa déception, il reste déterminé à prendre contact avec l'esprit de Tali. Yves Dion se rend chez Linda Lafortune dans le but de communiquer avec sa fille Tali, décédée. Malheureusement, la séance ne se déroule pas exactement comme il l'avait espéré. Il m'a appelé et il était très déçu. Mais j'ai dit, pourquoi t'es si déçu? C'était pas comme son livre que j'avais lu, que Pascal qui y parlait, les anges, maman, ils ont pas d'ailes, c'est pas vrai. Ça, j'aimais ça. Ça, c'était la partie que j'aimais le plus. Je voulais que Nathalie, à moi, elle me dise la même chose. Mais c'était pas ce que j'avais reçu. Le mental, les peurs, les réactions émotionnelles vont souvent biaiser l'information. Mais quand on prend le temps, ça peut être de rencontrer quelqu'un, mais on peut nous-mêmes établir les contacts de notre vivant, dépendamment de la relation qu'on avait avec l'être cher, ça va établir plus facilement des contacts. On va être en mesure de parler, d'avoir des ressentis, des perceptions. On pourrait même avoir éventuellement même une conversation avec la personne. J'avais reçu un courriel de Mme Lafortune le lendemain de mon rendez-vous. Et elle me signifiait qu'elle avait reçu une communication du ciel, de Tali, que le message n'avait pas bien passé. Que j'avais tellement de doutes que tout ce qu'elle m'avait écrit, j'étais pas pour y croire. Et en partie, elle avait assez raison. Donc, cette déception-là, pour moi, oui, est présente. Mais quand j'ai transféré le message, j'ai senti Tali partir. Et là, j'ai senti qu'elle ferait la différence dans la suite de ce week-end-là. Et c'est ce qui est arrivé. Le lendemain, je suis encore dans mon deuil, moi, là, chez moi. Fait que, en préparant le souper, il y avait toujours un disque que je mettais de Sarah McLachlan, qui était très nostalgique. Et là, tout d'un coup... Je me souviens pas si je coupais les oignons ou les piments. Et là, d'un coup, bien entendu, elle chante en anglais. Et tout d'un coup, j'entends Rainbow. Moi, j'écoute jamais les paroles d'une chanson. Jamais j'écoute les paroles, mais j'écoute la mélodie. Alors là, je dis, ben oui, on dit, j'ai-tu entendu Rainbow? Oh boy, playback, on recommence.
Parfois, on va avoir des odeurs. Parfois, on va entendre des sons. Il y a des choses qui reviennent très souvent. Tu sais, les chiffres pareils. Il y a des plumes. Des gens vont trouver des objets par terre. Il y a de la musique parfois aussi. C'était une chanson qui parlait justement d'arc-en-ciel. C'était une chanson qui parlait de l'amour possible entre un arc-en-ciel et le ciel. Yves m'avait réécrit. Il m'a tout simplement dit, il ne comprenait pas encore le sens profond de la lettre, mais qu'il est arrivé un événement spécial, que ce message-là lui avait donné comme un coup au cœur pour lui dire, « Hey, faut pas que je reste comme ça. » Donc, il me dit merci. Merci à ton équipe de lumière. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais je vais chercher. C'était cette chanson-là et les paroles venaient exactement rejoindre le sens profond de la lettre du message de Tali. À partir de ce moment-là, Yves a décidé de s'inscrire à mes ateliers qui étaient en fait 8 rencontres à chaque 15 jours pour aller travailler sur les centres d'énergie et chakras. Une fois qu'on les connaît bien... Je pense que dans l'épreuve, particulièrement dans la mort des enfants, d'après ce que j'ai pu constater moi-même par expérience, on développe une ouverture vers le monde invisible ou le monde parallèle ou le monde d'après la vie. Yves, quand il est arrivé, c'était tellement drôle parce qu'il était très, très rationnel, très fermé, il ne connaissait rien. Le mot chakra, il n'avait jamais entendu parler de ça, de sa vie, méditer, tout ça. Dans tous les jours, il prenait un temps d'arrêt pour méditer et ça l'a aidé. Il avança pas de géant dans sa transformation personnelle. J'ai vu très souvent, chez des parents qui ont perdu un enfant, avoir cette envie-là, cette envie de pouvoir et de vouloir développer et de pouvoir arriver à être en contact par eux-mêmes avec leur enfant. Et ils vont voir qu'ils ont de grandes capacités. Sylvie Lorange a perdu sa fille Stéphanie, âgée de 26 ans, suite à une grave maladie du sang. Tout comme Yves, elle ressent le besoin de développer ses capacités à communiquer avec sa fille décédée. Le jour de son décès, Stéphanie n'était pas dans son corps. Moi, je voyais un corps. Mais c'est pas là qu'elle était. La première rencontre que j'ai eue avec Stéphanie, tous ses messages étaient beaucoup sur le... On continue. OK, maintenant, là, il y a quelque chose qui est arrivé. On fait quoi? Ce qui ressort beaucoup, en tout cas par rapport à Stéphanie, c'est le vouloir que sa mère écrive. Et c'est drôle parce qu'elle lui demande d'écrire son histoire à elle. Elle voulait qu'il y ait un message. Elle voulait que son décès ne soit pas vide de sens. Le fait d'aller voir des médiums, c'était dans le fond, aussi drôle que ça puisse paraître, me faire confirmer que j'étais pas complètement folle. Parce que là, je commençais, moi, à avoir vraiment des rêves, moi, que j'appelle contact. Donc, t'es vraiment avec la personne et tu sens vraiment la personne t'a touché. Quand je vois Stéphanie, naturellement, que je m'empresse de la toucher puis de l'embrasser. Et c'est ça. C'est vraiment le ressenti. Ce que je ne sens pas quand je fais un rêve de Stéphanie ordinaire, là, tu sais. Dans les périodes de méditation, après 3 mois environ, j'ai commencé à ressentir quelque chose. J'étais tutélie. Ça, je ne le savais pas, mais maudit que je la priais, en tout cas. Et là, j'ai commencé à voir, oups, j'étais capable de ressentir dans mes cheveux. C'est comme une tarentule, une araignée tarentule qui va se promener sur ma tête et je sens comme des doigts un peu, très, très, très légers. Il est rentré là-dedans, puis là, c'est devenu très, très fort. Là, il y a eu les roches, il y a eu bon, puis à un moment donné, bon, il a commencé à avoir des ressentis. Mon bras qui a commencé à faire un peu comme la chair de poule quand on va écouter une musique qu'on aime beaucoup, on va avoir les poils qui vont nous redresser. Ça donnait un peu cet effet-là. C'est sûr que lui, il allait chercher là, pour avoir des ressentis de sa fille. Alors, je le comprenais, là, puis là, je me disais, Tali, aide-le, là. De centrer, de vraiment prendre le temps de répéter tes notes et tranquillement, ça fonctionne. Et tranquillement, mon cœur se guérit un peu, mais j'ai toujours pas une communication comme Mme Lafortune avec son Pascal.
Yves Dillon poursuit toujours son objectif de communiquer avec sa fille Thali. C'est pourquoi il travaille à développer sa sensibilité avec l'au-delà. Il se sent maintenant prêt à entreprendre une nouvelle séance d'écriture inspirée avec Linda Lafortune. Cette journée-là de mon rendez-vous, je m'avais mis dans la tête, j'ai dit, il va sûrement se passer quelque chose. J'allume les chandelles et je sens Thali, mais là, elle prend beaucoup, beaucoup d'espace et il est rendu presque 2 heures et il n'est pas arrivé. Et j'entends, il va être en retard. Papa va être en retard. Voudrais-tu dessiner quelque chose pour moi? Il y avait un incendie à Granby. Il y a eu un grand, grand détour. J'étais arrivé 20 minutes de retard. Et pendant que j'étais dans mon auto, ce temps-là, j'arrêtais pas de dire à ma fille, Thali, dis à Linda que je vais arriver en retard. Il y a un incendie. Je prends mon crayon, je me mets à dessiner un dessin sur une feuille. J'ai dessiné 2 cœurs qui étaient unis. Je sens énormément d'amour et comme une espèce de petite étoile qui tourne, comme si c'était comme une petite étoile de mer, mais c'est comme un petit tourbillon d'énergie. Puis elle me marque, je t'aime, papa. Et moi, je comprends pas trop, mais ça va être le début de sa lettre. Je mets la date. Quand Yves arrive, à peu près 1 demi-heure après, il a fait un détour parce qu'il y avait un feu sur la route pour se rendre chez moi. C'est quand même symbolique. La flamme, le feu, avait fait qu'il est obligé de prendre un détour pour faire une demi-heure de plus de route. Excuse-moi. Et là, Mme Lafortune, elle me dit, écoute, je rentre chez elle. Et là, elle me dit, écoute, Thali est déjà venue. Je lui montre le dessin. Et là, il est venu tout ému. C'était exactement ce qu'il avait demandé la première fois qu'il était venu chez moi, en octobre. Ça te dit quelque chose? Thali lui avait communiqué un secret que j'avais jamais dit dans mes ateliers. Dictez ça. C'est incroyable, attendez. C'est un tatou que j'avais fait dessiner par un tatoueur les quelques semaines après son décès, qui était pour être comme un symbole de son dessin qu'elle préférait, qu'elle dessinait partout dans ses livres, sur ses examens, dans le sable. Partout, elle dessinait tout le temps ça. C'était comme sa marque de commerce, c'était comme son tag à elle. Alors là, j'ai comme les 2 confirmations très claires que ma fille communique vraiment avec Mme Lafortune. Elle ne savait pas que j'avais un tatou, encore bien moins une étoile, un détail dans le tatou, qui avait l'étoile de mer. Là, j'étais en confiance. Là, les doutes ont tombé, là. Ça commençait bien la rencontre, ça a ouvert son cœur automatiquement et il était beaucoup plus réceptif pour s'étendre sur la table et recevoir la 2e lettre de sa fille. Je lui dis là, prépare-toi, je sais pas ce qu'on va vivre, mais je sais que tu vas vivre quelque chose d'important avec ta fille. Est-ce que tu te sens en forme? Est-ce que tu es bien physiquement? Il dit oui, je vais très bien. En pleine forme. Je vais recevoir mon cadeau. OK. J'ai pas mal nulle part, je suis en pleine forme pour recevoir mon cadeau. Tourmaline au pied, un quartz rose pour le chakra du cœur, okay. 2 quartz transparents que tu vas tenir dans tes mains, d'accord? OK. Que tu vas tenir tout le long de la séance. Ça commence par tout un mal de tête. Et ça, je lui dis pas, mais j'ai un mal de tête aussitôt qu'elle ferme le rideau. Mal de tête, mal de dos, ça l'a duré environ 1 heure, le temps qu'elle fasse son écriture. Je sens beaucoup d'émotions. Je suis très, très émotive. Mon corps est plus lourd. Mon cœur est plus lourd. J'ai de l'émotion. J'ai envie de pleurer pendant que j'écris. Et je vois Thali. Plus le temps avançait, plus c'était fort. Et pourtant, j'ai jamais mal à la tête. J'ai jamais mal au dos. Et là, ça passait pas, moi. J'avais vraiment une douleur. Mais c'était vraiment une douleur intense. Yves est couché en arrière de moi, là. Je l'ai mis, moi, j'ai les yeux fermés. Quand je reçois, je me tourne un petit peu à gauche, comme ça, sur mes yeux, et je vois l'information, les codes, les clés qu'on me donne, et je les écris. Thali! Et je vois Thali qui est penchée au-dessus du front de son père, qui dépose ses mains et qui lui dit « Ouvre ton esprit, papa. Il y a une résistance, on a un travail à faire ensemble. »
Et je sens que Yves respire doucement, va et vient dans sa respiration, mais qui se détend. Sans regarder, je capte ça. Je savais que Telly se promenait là, parce que je le sentais sur mon nez, je le sentais dans mes bras. Je le ressentais même un poids sur moi, tellement que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait entre Mme Lafortune, moi et Telly, bien entendu. Et je ressens de plus en plus l'émotion monter. Et là, il y a une image très, très forte qui arrive. Je revois la mort de Telly, le moment de la mort dans une chambre sombre. Je vois Yves qui est sur sa fille, qui essaie de le ranimer avec toutes les manœuvres de réanimation. Je sens le stress, je sens la peur, je sens son impuissance. Je vois Telly qui veut essayer de revenir dans son corps physique. La personne décédée, que ce soit un enfant ou un adulte, au moment où la personne décède, on dit « rend l'âme ». Au fond, ce qui se passe, c'est que le cordon argenté, le cordon éthérique, s'est rompu. Donc, la personne ne peut plus réintégrer les fonctions vitales, ne peut plus avoir de contrôle dessus. Et là, il y a une porte de sortie qui s'ouvre automatiquement. C'est comme si on était dans un long sommeil. Donc, une partie de la personne va quitter son corps. Je vis tout ça en même temps. Je pleure et j'écris ces mots qui commencent et qui lui dit « Tu sais, papa, c'est un peu comme quand on était ensemble ici dans la mer, quand on faisait de la plongée. Tu sais comment c'était infiniment grand. Puis quand on était dans l'eau ensemble, dans la profondeur, il y avait vraiment quelque chose qui fallait se faire totalement confiance l'un l'autre. Et c'était très, très important qu'on se regarde toujours dans les yeux, qu'on garde une connexion. Je pleure, j'ai de la misère à écrire et je ressens énormément d'amour, mais en même temps, quelque chose qui doit se libérer. J'ai de la misère même à... Je respire difficilement quand j'écris ces mots-là. Et là, elle me dit, tu sais, papa, ce fameux soir-là, le jour de mon départ, ben tu sais, le corps physique, c'est comme le costume. Tu sais, le costume, comment il était lourd pour moi. Eh bien, c'est un peu la même chose quand j'ai monté dans la lumière. J'avais des guides à côté de moi. Je te voyais qui essayaient de remettre mon costume. Mais je ne pouvais plus le mettre. Je ne pouvais plus rentrer dedans. Il était déjà rendu trop petit pour moi. Et elle avait tellement d'émotions. Elle était tellement désolée de ne pas être capable de rentrer dans son corps. Quand j'ai ouvert mes yeux, c'était blanc dans la pièce. Je n'avais jamais vu une lumière aussi immaculée. C'était blanc partout. Et c'était magnifique. C'était tellement intense que j'ai été obligée d'ouvrir les yeux, de me recentrer, respirer. Au cours d'une deuxième séance d'écriture inspirée avec Linda Lafortune, Yves Dion revit la mort de sa fille Telly. L'expérience est éprouvante, voire douloureuse pour le père éploré. Pour sa part, Linda Lafortune doit se concentrer sur le message que lui livre Telly. Elle disait à son père, à sa famille, qu'il fallait qu'ils comprennent le sens profond de sa mort, que c'était pas injuste, qu'il fallait que ça soit comme ça, qu'elle avait compris pourquoi et qu'elle voulait énormément qu'ils soient heureux, tout le monde, qu'ils continuent leur vie avec elle dans leur cœur. Madame Lafortune, quand elle a terminé, lorsqu'elle a terminé son écriture, là, elle a fallu qu'elle prenne aussi un break. J'avais mal à la tête, mal au dos. Elle était complètement bouleversée. Je vais t'enlever tes pierres. Quand j'ai eu terminé de la lettre, parce que c'est comme un signal qui me dit « bon, c'est terminé », je me suis levée, j'ai pris des grandes respirations, et quand j'ai tiré le rideau, j'ai vu Yves, il m'a dit « Linda, j'ai eu mal à la tête, j'osais pas bouger, j'avais peur de te déranger », mais il dit « je suis plus capable, une douleur dans le bas des reins, une douleur à la tête ». Ça avait été tellement profondément le marqué dans tout l'intérieur de son être que ça avait pris énormément de force intérieure. Elle a dit, c'est toute une lettre. T'as reçu tout un cadeau de ta fille. Elle a dit, là, c'est vrai. Là, tu vas avoir vraiment le cadeau que tu voulais. Et Telly avait expliqué dans cette lettre-là comment elle était passée de vivante à morte, le temps que moi j'insulfais mon air,
pendant que je faisais mon ABC et que je faisais mes compressions thoraciques lorsque j'essayais de la sauver. Telly s'est servie des techniques de plongée et de masques de plongée, surtout de palier. C'est là dans la lettre, quand elle a parlé de palier de plongée, je savais que là, c'était pas des mots inventés de Mme Lafortune. Elle se servait de la plongée sous-marine pour expliquer qu'elle essayait de revenir dans son corps. C'était impossible pour elle de remettre son habit de plongée tellement qu'elle avait déjà changé. Maintenant, j'y crois et là, j'ai plus de doute qu'il y a vraiment une âme de nos personnes qui peut se promener à notre demande quasiment. Ils peuvent nous accompagner et ça l'enlève une certaine douleur. Mais la cicatrice est là et elle va rester là toute ma vie. C'est un moment vraiment très, très, très émouvant pour moi. C'est une rencontre que j'oublierai jamais. J'avais vraiment l'impression que là, il y avait un sens profond à mon travail. S'il y avait quelque chose qui était important, un jour, je m'étais dit si je peux aider un parent qui, comme moi, a vécu cette souffrance-là. Nous, on est dans notre physique. Elle est dans un autre plan. Mais je suis comme rassuré qu'elle n'est pas comme renfermée, qu'il y a vraiment d'autres choses qui existent. De toute façon, on va tous se rejoindre, mais quand notre temps va être arrivé. Elle, son temps était terminé. Ça faisait pas notre affaire, ça fait pas l'affaire à personne, mais on est obligé de l'accepter, de savoir qu'il existe des âmes. Son âme, elle, pour moi, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme et ça m'aide à guérir. Telly, elle, avant, j'étais même pas capable de la reconnaître. Maintenant, je suis capable de reconnaître tout le front, les cheveux, jusqu'à peu près son nez environ, et même les yeux qui peuvent battre. Et ça, c'est toute une communication. C'est pas de l'écrit, c'est pas des paroles, mais je suis capable vraiment de la voir. Un parent qui perd un enfant, c'est quelque chose pour le parent de tellement difficile. Ces parents-là, leur perception de la vie après la mort est très changée. Oh mon Dieu, que maintenant je ne suis plus Thomas. Je me rends compte que ces choses-là existent. Je les ai vécues et j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec Stéphanie dans l'au-delà. Alors, je peux pas faire autrement que d'y croire. Je dirais que Yves, il y a vraiment une grande, grande force dans la perception, dans son ressenti. Ce qu'il voudrait, c'est entendre sa fille. Pour le moment, il ne l'entend pas, mais il travaille très fort pour y arriver. Est-ce qu'il va y arriver un jour? Je ne sais pas. La journée du premier anniversaire, je me suis rendu seul à l'église Notre-Dame, qui était un lieu qu'en famille, nous allions à chaque année pour Noël, justement. Alors, j'étais allé prier, j'étais allé méditer dans l'église. Rien se passait. Et pourtant, c'était le premier anniversaire. Pour moi, c'était comme... J'avais déjà des ressentis, alors j'aurais dû recevoir quelque chose. Ça fonctionnait pas. Sors de l'église, et là, il y a une boutique qu'en famille, nous allions tout le temps. Je rentre, deux, trois pas, il y a un nouveau comptoir. Et c'est toutes des figurines d'Harry Potter. Et je t'ai tiré vers une boule de Noël, et à l'intérieur, il y a un phénix. Quand je reviens à la maison, j'en parle à mon fils, je dis, voyons, le phénix, c'était quoi dans les films d'Harry Potter? Et papa, il dit, les larmes du phénix dans Harry Potter, tu te souviens pas? Il dit, ça guérit tout, même la mort. Et il dit, le phénix, en plus, lorsqu'il décède, il s'enflamme, et il renaît automatiquement de ses cendres. Et là, ça me fait tout de suite comprendre la première lettre qui parlait de flamme. Et là, c'était « Oh, que ça me parle! » Et c'était tout un signe de Telly qui était juste pour moi.